Hello. Hey, how are you? Fine, fine, fine. You told me that you have something deep to explore around there. Yes, I have, yeah. I have. Can you tell me just a little bit more about, because it's deep and I think we need to be really prepared for this. So we have this insight of a thermal source, thermal spring on the bottom of the sea. Okay. So, hot water, hopefully. Yes, yes. Bit. Warm, yeah, actually. Yeah, warm water, okay. So, we have these insights from old prospection with the sonar in the bay. Yeah, you showed me some picture about it. It was in the archaeological purpose. Okay. But they have this anomaly in thermal in the temperature. So, there is one spring that's... They should be around there and we need to see, okay. Yeah, it will be tricky because it's very deep. Yeah, so we don't have any other information. Okay. The best clue is the temperature. The temperature, okay. So go there to try to see a little bit. And you told me that maybe it can be some visual sign of this? Yes, if the outflow, the emergence of the spring is strong enough, we'll remove the sand of the bottom. You know about more or less the temperature to expect, or that's... We are not sure, but gonna be hotter than the temperature of the ocean. Okay, well. Thanks. You sent me some documents, so I will a little bit work on it. Yes. And then whenever we go, I tell you, and let's see if we can find this. Well, thank you. You're welcome. Thank you. Let's go. Bon, faisons un petit point avant d'entrer dans l'eau. Paolo vient de m'expliquer qu'on a détecté une anomalie thermique au sud de la baie d'Angra do Heroísmo. En gros, il y aurait potentiellement une source d'eau chaude au fond de l'océan, mais personne ne l'a encore vraiment observée. D'après les recherches, plusieurs sources thermales sous-marines ont déjà été identifiées dans cette région. Ces sources sont directement liées à l'activité volcanique de l'île de Terceira et à son important réservoir hydrothermal. Alors comment fonctionne ce système? Sous nos pieds, l'île de Terceira repose sur un système volcanique actif. Les infiltrations d'eau de pluie descendent en profondeur où elles sont chauffées par le magma avant de remonter sous forme de source chaude. Ces remontées peuvent se produire aussi bien sur terre qu'en mer, et elles sont souvent influencées par les fractures et les failles du sous-sol. Dans le cas d'Angra, les scientifiques pensent qu'il existe un réservoir hydrothermal caché sous la ville et ses environs. Ce réservoir pourrait être connecté aux différents complexes volcaniques des alentours. L'eau chaude qui s'échappe ici résulterait d'un mélange entre des eaux de pluie et des fluides hydrothermaux profonds. Mais ce n'est pas tout. En plus de la chaleur, ces sources sous-marines peuvent également contenir des gaz comme le dioxyde de carbone et des minéraux dissous. Dans certains cas, ces émissions gazeuses forment même des bulles visibles sous l'eau et à la surface. Ma mission aujourd'hui est donc de localiser cette source en surveillant les variations de température et en repérant d'éventuels signes de sa présence. Si nous trouvons cette source, elle pourrait représenter une nouvelle pièce du puzzle pour comprendre le fonctionnement du réservoir hydrothermal d'Angra et ses potentielles applications, notamment pour la production d'énergie géothermique. Allez, il est temps d'aller explorer tout ça. Mais avant, un peu de préparation s'impose parce que d'après les cartes, le fond est à 50 mètres de profondeur dans cette zone. Il a fallu patienter plusieurs jours avant de trouver une fenêtre météo favorable à cette expédition. Mais quand finalement une accalmie dans les tempêtes d'hiver se pointe, je file à Deep Blue faire un point sur la préparation avec Nuno. Here, we won't see anything structure. We will feel temperature warm enough if there is something. And he told me that if the flow is strong enough, we might see some circles. L'objectif de la mission est clair, explorer la zone où une source thermale sous-marine est suspecte. Suivant la visibilité au fond, on ne s'attend pas forcément à pouvoir voir une structure visible, mais plutôt à détecter une anomalie de température. Mais bien sûr, on restera à l'affût des motifs circulaires signalés par Paul. The good mark that we have is there's a rock. There is a rock. Something there. Something big. Okay. It's sand plus one. Plus yes, one rock. Okay. But distance are like this. Oh. So it's something. It's big. Kind of a big. So from here to there, it's almost 100 meters. Yeah.
On va descendre le long d'une ligne guide attachée à une ancre qui nous permettra de garder un repère clair de notre point d'entrée dans l'eau. La zone à explorer s'étend sur environ 100 mètres, mais notre but principal est d'identifier un changement de température. Nous allons donc plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur et rester au fond entre 8 et 13 minutes avant d'entamer la remontée. Yeah, it's 50. Okay. Okay. So what is important here? We need to prepare the dive. À cette profondeur, la gestion de la décompression est essentielle. En plongée, notre corps absorbe de l'azote dissous en fonction de la pression ambiante. Plus on reste profond longtemps, plus l'azote sature nos tissus. Une remontée trop rapide provoquerait une libération brutale de cet azote sous forme de bulles dans le sang, ce qui peut entraîner un accident de décompression. C'est pourquoi nous prévoyons plusieurs paliers de remontée avec un arrêt de sécurité de 15 à 20 minutes. Cela nous amènera le temps total de plongée à environ une heure. Il est important de bien surveiller nos ordinateurs et de respecter ces paliers pour éviter tout risque. So, we're gonna plan our dive for 50. Okay. We can stay plus, let's say, 5 to 8. Okay. So total dive time will be 13. This means that we have an ascent rate, that we will have to do several stops. Mm-hmm. And probable total dive time will be around 1 hour. The best maybe should be to take a compass also to know going north. We have In terms of materials that we voici ce que nous aurons besoin. Deux bouteilles chacun à une seconde pour la remontée, ordinateur de plongée pour surveiller la décompression, boussole pour nous orienter, bouée de sécurité pour signaler notre position en surface. Stay close and pay attention to each other. Yes. Okay. I'm not saying that I won't have narcosis, but à 50 mètres, la narcose à l'azote devient un facteur à prendre en compte. Aussi appelée ivresse des profondeurs, elle est causée par l'effet anesthésiant de l'azote sous haute pression sur le système nerveux central. Cela peut entraîner une diminution de la concentration, des réactions ralenties ou une prise de décision altérée, un peu comme si on était sous l'effet de l'alcool. Chacun y est plus ou moins sensible, mais une descente progressive et un bon contrôle de soi permet de limiter cet effet. So today we're going to play safe. Mm-hmm. Okay. So what will be our limit in terms of deco? Ceci est avant tout une plongée d'exploration. On va surtout observer, tester le matériel et valider notre approche. Si on détecte une anomalie intéressante, on ajustera notre plan pour prendre une prochaine descente. Aujourd'hui, priorité à la sécurité. Pas plus de 20 minutes de décompression, même si nous avons encore de l'air. Allez, il est temps d'y aller, on se retrouve sous l'eau. Le matériel est prêt. Nous montons à bord du bateau et mettons le cap sur notre point d'exploration. Le GPS nous guide, mais l'immensité de l'océan rend chaque repère incertain. Ici, sous la surface, tout devient flou, changeant presque insaisissable. Arrivé sur zone, il est temps de basculer dans un autre monde. L'eau nous enveloppe et la descente commence. Une chute lente, contrôlée dans le bleu profond. La lumière diminue, l'océan nous absorbe. Le paysage qui s'offre à nous est d'une simplicité troublante.
un désert de sable, uniforme, sans relief, sans repère. Mais très vite, un détail attire notre attention. Des trous, partout. Deux petits orifices de 2 à 3 cm de diamètre creusés avec une précision presque géométrique. Trop parfait pour être naturel, trop étrange pour être humain. Je prends une série de photos. Quelque chose semble s'échapper de ce trou, un flux imperceptible. Une eau légèrement plus chaude? Ou est-ce mon esprit troublé par la narcose qui me joue des tours? Puis une ombre. Une raie bouclée glisse lentement sur le sable, un habitant discret de ce désert sous-marin. Sa présence est relativement rare dans cette zone. Mais l'exploration touche à sa fin. Le courant nous éloigne lentement. Nous décidons de remonter avant d'atteindre la limite fixée. Mieux vaut garder une marge de sécurité. La remontée est lente, méthodique. Le moment de la décompression, 20 minutes de pause, suspendue dans l'eau, entre deux mois. Enfin, la surface, le retour à la réalité. Mais une question demeure. Qu'avons-nous réellement trouvé là-dessous ? De retour à Terre, il est temps d'analyser nos découvertes. Que signifient ces étranges trous aperçus au fond? We went yesterday to the exactly 50.8 meters maximum. If you have the map, I can show you where we dropped. Avec Paolo, nous passons en revue les données de notre plongée. 50,8 mètres de profondeur, une zone localisée, des trous symétriques de 2 à 3 cm, mais aucune thermocline marquée. L'eau était légèrement plus chaude à certains endroits, mais rien de concluant. Alors, s'agit-il bien d'une source hydrothermale? I didn't felt something outflowing a lot, mm-hmm. but in my mind, I felt something a little bit warmer than outside. The mm-hmm. temperature was 19, a little bit down there. It was 16. They are very, very symmetrical. Yeah. Autre possibilité, la biologie. Certains organismes marins, comme des vers ou des mollusques fouisseurs, creusent des galeries dans le sable. Mais ici, la taille et la symétrie des trous interrogent. Then it has to be something like this. Either a polychaete or some kind of worm. Trop régulier pour être de simples terriers? Trop grand pour correspondre aux espèces connues à cette profondeur? Because that part of the bottom is where the spring is next. Haven't got a clue what it is. Les questions s'accumulent. Une seule solution. Retourner sur place, mais cette fois avec un objectif précis. Prendre des mesures, prélever des échantillons d'eau, comparer la composition chimique. Avec ces données, nous pourrons peut-être comprendre l'origine de ce phénomène. L'exploration ne fait que commencer. We know that we have this here. Mm-hmm.